Salut tout le monde, c'est JCCPKM67. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est. Que vous voyez, c'est marqué en japonais. Donc, il s'agit de cartes Dragon Ball. Donc, du film Dragon Ball Z Fukatsu no F. Donc, ce sont des cardasses. Ces cartes, on pouvait les trouver dans les vending machines au Japon. Et donc, du coup, normalement, c'est le full set. Directement, je vais vous présenter, on va se l'ouvrir ensemble. Voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, il y a 10 cartes. Et avec ces 10 cartes, il y a 10 stickers. Donc, ok. Vous voyez un peu comment c'est présenté. Ah, je vais peut-être faire ça autrement. Ok. Ok, il y a une checklist avec. Bon, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc, voilà, vous mettez une pièce, vous tournez la machine, et en fait, donc, il y a un paquet comme ça qui sort. Avec ce genre de truc qui est super relou à relever. En soit, je le casse. Ouais, je vais pas me faire chier. Ouh. C'est bien serré quoi. Hop. J'ai prévu le coup au cas où. Donc la checklist. Je vais voir si s'il y a autre chose derrière. Ah merde, bah, je vous ai spoilé la carte. C'est assez épais quand même. Hein. Ok, c'est un truc, c'est une checklist assez épaisse. Donc, c'est la première carte. Donc voilà. Les images sont toutes sur, sur toute la carte. Donc, Son Goku. Et derrière, on a la petite carte autocollant. Vous voyez, c'est vraiment assez fin. Donc, la carte autocollant. Et il y a des numéros sur. Donc il y a déjà un numéro sur la carte autocollant. Voilà, le numéro 5. Et l'arrière de la carte se présente comme ça. Et on voit aussi le numéro 5 de la carte. Je vais mettre les stickers à part parce que ça colle un petit peu. On enchaîne avec l'autre petit paquet. Le Golden Freezer. Donc, carte numéro 3. Et il n'y a pas de. J'ai pas le sticker avec? Pas possible. Ah! En fait, c'était. Il était collé comme ça dessus. Je me suis dit, merde, c'est quoi? C'est une pub? Et en fait, bah non. C'est la carte stickers. Donc, on voit bien le détourage là. Pour coller. Et ça, c'est donc le visuel de face et visuel de l'arrière. On va mettre ça tranquillou là-haut au fur et à mesure. Oh, j'ai pris deux packs. Oh, je vais vous spoiler en même temps. Voilà. Elle est sympa celle-là. Donc un visuel de Fukatsu no F. Avec entre guillemets la Z-Team qui est dans le film. C'est plutôt cool. Et là on a le stickers juste derrière. Donc, avec plein de persos. Et des Dragon Ball, donc la carte numéro 9. Et là, on voit l'arrière. L'arrière est sympa aussi. Hein. Limite, je préfère l'arrière. Je trouve beaucoup plus stylé. En tout cas, ça, c'est sympa. Je vais mettre ça de côté. Yeah, Jaco. Je sais pas si vous avez vu le film, mais il a juste trop la classe. C'est limite le meilleur truc du film. Parce que moi, j'ai pas trop apprécié. Mais Jaco, il a vraiment la classe. Patrouilleur galactique. Et le sticker. C'est donc la carte numéro 4. Voilà.
et l'arrière. Généralement, l'arrière, c'est le même visuel que l'avant, comme vous avez pu le remarquer. Hop là, on enchaîne. Prochaine carte. Ah, Vegeta. Elle est sympa. Vegeta en Super Saiyan bleu, ça aurait été bien. Donc, la carte stickers. La carte numéro 6. Et on voit l'arrière aussi numéroté, comme d'hab. Hop. Comptez. Prochaine carte. Ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a nouveau autocollant. La checklist. Donc, vu qu'on s'en fout de la checklist, je la mets de côté. Ah, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est classe. Un Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Le nouveau nom maintenant, Super Saiyan Bleu. En français. Bien sûr. Voilà, carte stickers. Donc, Son Goku, puis la boule à 4 étoiles. Et on voit l'arrière de la carte, la numéro 1. Hop. Enchaînons. Ouf, celle-là elle est sympa. Le visuel, la fiche du film en fait. Vraiment super classe. Ça c'est une carte, limite c'est la plus belle quoi. Avec celle-là. Ça j'adore. Des cartes comme ça, avec plein de trucs dessus. Et... Hop. Les stickers, c'est pareil, se sont pas fait chier. Et l'arrière de la carte. Bills et Wills. Ça, c'est sympa. Donc, la numéro 10. Hop. Ouais, ce genre de cartes, vous pouvez les trouver pour pas trop cher. Et avoir un full set pour pas trop cher... C'est sympa ces derniers temps. Donc notre Freezer avant sa forme golden. Et la carte stickers, donc numéro 7. Et c'est la carte bah, logique, hein, numéro 7. Hop. Ah, alors celle-là, elle envoie du pâté. Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan. Ça, c'est classe. Ça, c'est une belle carte, quoi. Avec le bleu et tout derrière, j'adore. C'est un truc de fou. Et la carte stickers. Du Vegeta en pagaille. Donc, c'est la numéro 2. Voilà. Et on arrive sur la dernière carte. Gros spoil. Freezer juste avant qu'il se transforme avec son aura dorée. Elle est super jolie. Avec Sorbet et Tagoma derrière. Franchement, elle claque. Et là, on a la carte stickers. Et c'est la numéro 8. Et derrière, Sorbet et Tagoma. Cette carte aurait été pas mal aussi, hein, juste comme ça. En tout cas, ça envoie du pâté. Moi, j'aime bien. C'est classe. Voilà, bah, j'espère que vous avez aimé justement ces cartes, ces cartes du film Fukatsu no F. Bah, dites-moi quelle carte c'est votre carte préférée. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, c'est toujours gratuit. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!